problème, et ça peut être fait de bizarre dans cette maison. Je n'en ai pas le conseil, ça c'était la grande faute. On sent une présence, on sent quand on descend l'escalier, et on le souffle un peu sur le cou, les objets craquent. On sent une présence. Le propriétaire vient de présenter quelqu'un qui aurait croisé le fantôme. Chris Francis, celui-là a tout faire. On n'a jamais pu oublier. Nous étions un jour en train de travailler ici, effectivement, et la porte s'est ouverte, et s'est refermée, et on a cru que Patrick arrivait, donc on est rentré dans cette porte. Et donc, on était deux, et on est descendu pour voir si. Il n'y a pas de lumière, tu vois? Il n'y a pas de lumière, il était enfermé. Suite à ça, le soir, on était un peu inquiet, et on attend de rester dans la maison. D'ailleurs, même Patrick, le propriétaire, n'a jamais dormi ici. La nuit, la maison reste vide, et cela fait plus de 40 ans que ça dure. Il est arrivé quelque chose à vos amis avec une maison. Vous êtes tourné plus ou moins contre lui, ça. Un jour, j'ai été appelé comme ça, par un copain qui m'a dit être fait attaquer par sa maison. C'est-à-dire, en fait, ça c'est une image, mais en fait, que les objets dans sa maison se sont mis à se déplacer tout d'un coup de manière très violente contre lui. Enfin, comme s'il était, comme s'il les intérêts comme un aimant. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Et en fait, il a cherché à savoir ce qui s'était passé. Il a vu plein de gens. Il n'a jamais trouvé d'explication satisfaisante. Et je pense que c'est quelque chose qui, au fond de lui, est resté sans réponse. Et donc, une angoisse. En fait. Il a mis en vie à... Oui, à Paris. Oui, boulevard de Clichy. Attends, moi, je vous raconte ce qu'il m'a raconté. Non, mais là, c'est vrai, mais il faut le croire. Alors, je vous répondrai comme bonjour à Julien Affel. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, ce serait une capable ni d'ébranler mon âme, ni etc. 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 Voilà. Alors, bientôt, bonjour, Armel. Comme vous. Bonjour. Bonjour, Armel. Je rends hommage à la culture de Francis, j'adore ce genre de choses. Moi, je rends hommage à toi. On se demande cette émission, on s'est rendu compte que les fantômes rendaient aussi des visites aux célébrités. D'ailleurs, on lui a voulu nous raconter leur expérience paranormale. Oui, c'est l'effet modeste. C'est étonnant, on va commencer par Claude François et ses sorcières. Et c'est un document totalement inédit. C'est pour ça qu'il va nous raconter ce qui s'est passé quelques jours avant la mort de Claude François. Ça ne s'est pas passé avec elle, mais c'est une aventure qui est arrivée à son frère, Claude. C'est une histoire qu'elle n'a jamais racontée. Elle est assez troublante et très émouvante. Vous connaissez tous, évidemment, j'imagine, la dame blanche, cette silhouette qu'on croisera la nuit et qui serait annoncée de son et mort en scène. Le François était très superficieux, on a pu l'avoir peu de temps avant sa mort, peu de temps avant sa disparition, et c'est la première fois que je vois François, sa soeur, qui nous raconte cette histoire publiquement. Voilà. Oui, je vais vous raconter une histoire effrayante que mon frère a vécue un mois à peu près avant sa mort. Un week-end, il arrive au moulin et il me dit, faut que je te parle, je vais te raconter quelque chose, mais tu vas me promettre de ne jamais en parler, de ne pas le répéter, on me prendrait pour un fou, et de toute façon, on ne me croira pas. Il me dit, voilà, ça fait quelques soirs, au moment où j'éteins ma lumière pour m'endormir, je vois arriver une femme habillée en blanc, qui s'assoit au pied de mon lit et qui me fixe. Je ne sais plus quoi faire. Et là, je lui dis, écoute, peut-être que si tu demandais qu'on te remplisse une petite bouteille de vénier, tu la garderais auprès de toi, sur ta table de nuit, ça te protégerait. Il m'a dit, peut-être que tu as raison, c'est ce que je vais faire. Et le week-end d'après, en revenant au moulin, il vient vers moi tout content, il m'a dit, là, tu vois, ça marche. Je ne l'ai plus jamais revu. Et j'étais contente pour lui, parce que c'est vrai qu'il avait l'air tellement effrayé par cette vision. Et le week-end d'après, il est mort. C'est pour ça que Tatiana, sa dernière compagne, a voulu déposer cette petite bouteille de bénite sur son cercueil de cimetière. Beaucoup quand j'étais jeune. Et en fait, ça m'a fait paraître, c'était pas adolescent, ça connaissait tous un moment ou un autre, de faire tourner les tables, d'avoir les verres. Et puis jusqu'au jour où vous avez les verres qui traversent et puis qui s'explosent dans le mur.
Et moi, j'ai pris peur parce que vraiment, j'en ai beaucoup. C'était un peu le point de ralliement avec les copains. On faisait Est-ce qu'il y a des réfractaires avec vous? Parce que moi, je sais que tu parles en classe, mais finalement, finalement, oui, on avait des réfractaires. Et puis, il y a toujours cette fameuse question, on demande s'il faut que quelqu'un s'y sorte. Il y a deux rituels cérémoniales. Avec des lettres, le système du Ouija, vous connaissez la planche Ouija, avec des lettres, avec un oui et un non, avec des chiffres, vous posez des questions. Alors pour vous, quelle est la force qui fait se bouger ce verre? C'est vraiment trop bien, c'est parce que ça me fait peur. Je sais pas, j'ai des sentiments. Après ces séances de spiritisme, qu'il en restait quelque chose. Donc pas chez vous. Jamais. Il faut faire attention aussi, parce qu'il y a des gens qui connaissent ça, souvent vous diront que travailler ou essayer d'être en contact avec des esprits de cette façon-là, c'est faire aussi appel à des entités ou des esprits qui ne sont pas forcément positifs. Ça fait combien de temps que vous avez passé? Ça va faire au moins, je sais pas, j'ai 18 ans, mais ça fait 2 ans. Bien. Merci, Jean-Michel.